Ness, ça juggle bien. Ness, ça peut être dangereux. Bon, Ness, c'est flotty, mais bon, essaie de juggle avec Min Min. Tu peux pas. Donc, je pense que ça va beaucoup se jouer sur du terre-à-terre. Bon, en l'air, je pense pas, mais ça, c'est faisable. En tout cas, mesdames et messieurs, on est parti sur du Smashville. Petite map qui favorise les phases offstage et qui favorise le ledge trap. Et pour l'instant, on commence direct, on ouvre les hostilités pour David Jotaro. 68, on sent déjà. 68, on a peine 10 secondes. Ah, mais l'attaque Mimi, non, ça pardonne vraiment pas en plus sur Ness. Justement, tu l'as dit, hein, justement, on a des deux côtés, justement. Oh là là, mais c'est trop tôt. Il tue trop tôt. 15%. 15%, frérot. Ah, bah, celui le frérot, il s'est juste coupé avec du papier. De l'autre côté, Mika, il s'est pris la castagne de fou. On a voulu tenter quelque chose au Magnex, c'était pas mal côté Mika, du. Mais on n'a pas approfondi sa phase et c'est dommage. Côté de David Jotaro, forcément, on en profite, on place un neutre à l'air, on place le Rabram, on place le dragon. Ici, on a du mal à poursuivre côté Ness. C'est dur ici. Ouais, ça va, c'est très dur. Mais après, en vrai, Ness, on le sait, ça peut tuer assez vite. Notamment, il a des étapes qui peuvent tuer assez vite. On a justement ce Piqué Fire qui peut se SDASR, mais qui peut faire assez de dégâts. On a aussi ce Piqué Thunder en fait qui peut empêcher justement Mika de revenir. Pour l'instant, en plus, ce Bagger c'est plutôt Gucci. 74% de la part de Mika dit. C'est pas mal. C'est pas mal. Gucci, tu as dit. Gucci est même, j'ai envie de te dire, un petit peu goûtu. C'est le mot de le dire. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Attention, David Jotaro, le sniper français, mesdames et messieurs. Min Min, elle a une portée juste exceptionnelle. C'est comme ça qu'on va abattre le desk. On va abattre la deuxième stock ici. Et côté Mikado, on se fait un petit peu avoir. C'est dommage. Faut faire attention. Il faudrait être très vigilant quand on est très loin d'une Min Min. Généralement, c'est là où elle excelle. Attention, le magnet, c'est vrai qu'il tente beaucoup de choses. Footstool magnet, là, il a un S quand même. Il a un S. En vrai, pour les caméras, c'est pas mal. Ah, bah, pour les cams. On joue tous pour les cams ici sur Smash Bros. Je suis désolé. À peine. Pour le moment, ouais, en vrai, Footstock et Jotaro, il y en a deux, c'est très cool. En plus, on se retrouve à 16 de la part de Mika. C'est un peu compliqué parce que justement, il a cette taxe. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est bien tech. Ça a été tech. C'est bien vu. Ça a été tech. On a voulu contester la recovery au downer pour David Jotaro. Il n'en sera rien. On a bien tech pour le joueur de Min Min. Mais forcément, on n'arrive pas à revenir pour Mikado. On ne peut malheureusement que recover qu'une fois quand on n'a pas touché d'obstacle sur notre chemin. Si on a touché le stage, on peut faire un Piqué Thunder deux fois. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mika va tomber comme ça. C'est dommage. On souffle un petit peu et ça se comprend. Et ouais, et c'est très intelligent de la part de David Jotaro en fait de sauter dans son up B parce qu'avec une stock d'avance, il peut se le permettre. Et en plus, pour ceux qui ne le savent pas, le up B de Ness, lorsque ça touche quelqu'un, la distance est réduite de moitié. C'est grâce à ça en fait que Ness est tombé en fait et justement est mort. En ce jeu, il a juste gagné la game. Gagner la game sur un simple. Sur une simple tombée. Mais il a raison. C'est ce qu'il fallait faire, il a bien fait. Bon, c'est vraiment parfait. Mais pour le moment, on est parti game 2 avec 1-0 de la part de David Jotaro. La réponse est un petit peu de la vie. Il faudra juste inverser les scores. C'est David Jotaro qui a pris le point ici. Exactement. Attention à ça. Mais ouais, on le dit, David Jotaro qui a été un petit peu impérial hein, sur la game 1. C'est ouais, sacré avantage, sacré. C'est pas évident quand tu fais une minute. Ouais, c'est assez compliqué. Hein, parce que si tu veux te mettre, tu peux pas te permettre d'être dans ta distance. Et surtout, l'opérateur a des outils à la lumière, le match. Tu peux contester l'opérateur. En fait, même si tu veux protéger, même si tu veux aller justement dans le dos mini, il faut oublier qu'elle peut taper dans le dos aussi. Et ça peut surprendre les personnes qui ne s'attendent pas. Donc, c'est assez compliqué en vrai, d'après ce moment. C'est vrai que. Un personnage, je dirais pas obscur, mais un personnage qui sort un petit peu du lot. C'est une belle réponse avec la direct top attaque. Heureusement, j'ai envie de te dire, ça a stoppé le Piqué Thunder parce que oui, on peut se prendre un Piqué Thunder comme ça. C'est pas seulement un outil défensif pour recover, c'est un outil qui peut être aussi offensif et qui sert à l'attaque. J'ai envie de te dire. Et ouais, c'est vrai. Pour le moment, en vrai, ce qui est bien, c'est que Jotaro, en fait, derrière son gameplay de Mimi, il joue assez safe en vrai. Et par les décisions qui sont assez intelligentes. Genre. Aïe.
c'est... Alors là, c'était... On se regarde en blanc des yeux. Là, je vais pas pouvoir recover sinon David Guetta me tue. Mais si je recover, bah, je me fais attraper. Et derrière, bah, forcément, on n'a rien fait. On était bloqué. Et on s'en sort pas. Et c'est carrément David Guetta qui prend bah, 3 stocks, quoi. Il va peut-être avoir un 3 stocks. Et voilà, pour le moment, on est en tout cas à tomber. C'est un peu compliqué. On les connaît, ces phases d'avantage. Avec... Pour le moment, on touche avec le frame. Ça tue, oh, ça tue. Ça tue. Ça tue à des pourcentages indécents. Mon cher c'est ami. Indécent. Waouh. Waouh. Eh bah ben David Jotaro 2-0 net avec le style hein toujours avec le style hein, toujours le style hein. Eh let's oui. go. Eh ouais let's go. Non mais sa mine est dangereuse. Sa mine est dangereuse. Hein. Derrière,